Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes noirs, Taïmada, Chinotwene. Mesdames et messieurs, Mbote Rabino, Bozo Landabiso, Boza et Bélé, vous êtes partout à travers la République. Bienvenue, Critique Info, premier numéro. Bonjour, on a vu sur la Kanluka, bonjour, on a vu sur la Kingasani, bonjour, on a vu sur la Kisenso, bonjour, partout, na Bumbu, na Makala, na Rompongaba, bonjour, na Kalamu, na Kitambo, na ma campagne, bonjour, na ba poste, ya ba garde, bonjour, ebele, na ba hôpitaux, ya République, na biso, mbote na bino, bonjour, on a vu sur la chaîne Odele, na Kinshasa, na Canal Kin, bonjour, on a vu sur la Tokomiwapi. Merci na bandeko tout ba landaka émission na biso na ba ba kanza que tout ça la comme ça la bien merci mingi na bino lelo to kobete la bino masolo mingi te actualité zali moko ezali actualité ya liwa ya juge Raphaël o ya otiko tika biso yanni juge Raphaël yanni o ya otiko kata motema to kobete li solo na ye to meka pe ko expliquer makambo mo ebele parce qu'il est très important d'en parler na émission ami balé ça veut dire deuxième sujet mais de rouber ta ma solo ya FCC na UDPS conflit au bazarango on essaiera un peu d'en parler soit on a dit numéro moko c'est que numéro mususu est dans la YouTube soit on a dit YouTube au Koutango soit na Facebook au Koutango faut comme on a YouTube comme Congo Buzz TV au s'abonner après on a dit biso soit ok na Christian Bosembe comme na page ta page à Facebook au taliba émission tous habitants de Sorana bo s'abonner et belé mutazangate bo s'abonner pour que bo laksa ke bolinga biso la seule façon pour la bino dans laksa ke bolinga biso est d'aller ko s'abonner et ko faire abonner bande ko mususu entre temps peut-être aussi na bande ko nyoso bazana ba soutien na bango pour ko soutenir œuvre na biso on a besoin des batteries industrielles ceux qui mutazana ngo un grand plaisir. Les batteries industrielles, les instruments, ça a un plaisir. La lumière, la caméra, si vous en avez besoin, c'est un grand honneur, ça sera un grand plaisir pour Nabisso et Kozoyango. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous apprenons la mort du juge président. Je rappelle que le juge président Raphaël faisait l'intérim. Faisait l'intérim du juge président, au lieu de faire des portaki, suspendre qui est. Pour la Makambo Italaki, ma liberté provisoire, ma libération conditionnelle. Bref, il y a eu tout un tas de choses où on a reproché Jean Liboso, ma sanctionné qui est. Pendant qu'il était en train de purger action disciplinaire, des juges Raphaël a attaqué Ayaki Kokota, cause à la intérimaire. Parce que la justice, na biso, et dans le rapport, il y a ordre utile et à préséance. Au yada après, l'intérim se déclenche automatiquement. Alors, le col est qui s'opère bongo, nde ba instruisa ki dossier, ya Vital Kamere, ba banda ki ko sala déjà ba audience, on était à la deuxième audience, au Isalemaki. Ça veut dire, to kota ki déjà presque vers le fond, na fond, ya dossier. On avait déjà évolué na dossier. Mais curieusement, lobby, le juge, a koufi. Ma condition à Liwanae, Tissiko est un sujet à débat. À partir de 3h déjà, 3h du matin, on parle de 2h du matin, on va tuer déjà. Non, ma côté de Nandaku, ma bêtise m'a sassi. Cette hypothèse, ce n'était pas une bonne hypothèse. Deuxième version est comme non, à Sanzaki, à Melaki, à Sanza, à Sanza Makila, et puis à Yokouf. Troisième hypothèse, à Sali Crise, à Yokouf. Le problème est d'abord. Quand une affaire arrive comme ça, il faut d'abord te dépassionner débat. Te tomber là-bas, déclaration immature. Te perdre équilibre. C'est vrai que ça peut faire peur. C'est vrai que ça fait mal. Il y a comment la situation de Ngwana. Mais c'est dans cette situation-là que les gens ne doivent pas perdre l'équilibre. Il faut que vous allez la poser, qu'on réfléchisse autrement. Il faut côté à la carnet médical, il y a juge. Est-ce qu'il y a de la remontée hypertension? Est-ce qu'il y a Bélaka avant? Tout ça, il faut côté à la Yango. Mais ça n'explique pas forcément la mort parce que la mort peut arriver à tout moment. Il faut tout le bac lui koya adnutum na ngonga nyoso lui koya. S'il y a une chose qui soit plus facile et plus précaire na vie, c'est la c'est la vie. La vie peut s'arrêter à tout moment. Et les raisons il y a lui bato et diverses raisons. Et quoi un avion et quoi un mutu quoi et quoi un bébé. Donc il faut pas forcément être superstitieux tant que comme modèle on a est commis. Mais ça ne nous empêche pas d'aller plus loin, Yakoutal. Monsieur Raphaël,
le président Raphaël, père des familles, occupant une position importante dans Libotanaï. Il va perdre la vie dans une affaire qui ne le concerne même pas. Mbongo Baibiona et dans Mbongo Naïete directement, c'est l'argent de l'État, et en cause, on va dire. Donc il va faire une affaire qui ne le concerne pas. Et d'accord, parce que c'est son travail en tant que juge à Kassali Moussalawana. Et malheureusement, il laisse sa peau. Est-ce que Babomie, ce qui oui, Babomie, Nani Abomie, à qui peut profiter le crime ou la mort, il y a juge. Batou Baza n'a pas de question. Est-ce que Batou Baza cité dans ma ferme? Il y a combien de cités dans ma Kambouana? Combien de cités dans ma Kambouana? Au Baza, ils attendront la mort. Il y a juge. Ceux qui le logent dans le juge à Koufi, ils vont profiter de ma nani. Les gens pensent que ceux qui le logent à Koufi, c'est que Batou Baza dans la prison, ils vont s'en sortir directement. Attendez deux secondes, il faut que vous réfléchissiez. Qu'on peut s'abattre au Mibé, qu'on a besoin. Nous avons une ordonnance, il y a le gouverneur. Général, il y a RDC, ce qui se rappeler, et là, il y a 1886, le gouverneur général à l'époque, a encore ordonnance moko pour n'a que bah, congolais, le droit positif congolais devrait s'inspirer dans le bah, principe général union sur le droit, équité, tout ça, et tout le reste. La bah, valeur union est autour, il y a procès, autour, il y a affaires judiciaires. Donc, c'est depuis ces moments-là que tout cela référence toujours dans ma principe. Mais maintenant, ici, il est question de dire que Moutou a Koufi. Ça veut dire qu'il y a une indisponibilité, le décès. Ceux qui jugent à Koufi, pendant l'affaire, la conséquence logique est de la cas réouverture, il y a débat. Réouverture, il y a débat, il y a débat. Il y a débat, oh, tout, ça là qui est avant, et qui est maï. Bandeli à zéro. Bandeli à zéro. On dit, tant que Babandeli est à zéro, Makamboutou et Zongi, na début, na ndenge na état initial. Qu'est-ce qui va se faire en premier? En premier lieu, tout le monde a dit, oh, bengaka, basali réouverture, il y a débat. Greffière, tout le monde greffier, a sali lecture et PV, parce que lorsque le juge est décédé, va remplacer composition. La composition change. Nani a constaté que la composition a changé. C'est celui qui est le précédent. À part ordre utile, il y a préséance, ou ouais, tout de suite après, juge Raphaël. Bon, moi, qui est deux, n'est-ce pas? Il y a trois. Juge, et puis deux personnes, et puis greffier, et même ministère public. Si on a dit qu'il y a banni, tous les trois, il y a qui que, après juge Raphaël, ou est-ce qu'il y a le plus gradé? Ou tombé dans le bas, ordre utile, il y a préséance. Le plus gradé, n'est-ce pas comme président, il y a tribunal. Parce que, président tribunal, ou Aliboso, il a suspendu. Le coup là, il y a action disciplinaire, il y a ici, a noté, mais il y a coupé sa injonction, exacte, parce qu'il est en suspension. Mais il y a le coup là, c'est à Koufi. Il y a Tikali, il y a un directement, à combattre un niveau, il y a directeur, il y a président du tribunal, il y a un coup ordonnance. Il va prendre une ordonnance pour qu'on ait une nouvelle recomposition, qu'on désigne, on va dire dans le terme clair, il va désigner un autre juge ou des autres juges. Ce qui va maintenir deux juges Bazali, bon, en tout cas, il y a un peu. Mais en principe, la nouvelle recomposition. Va refaire composition. Tant que ça, la composition est Sika, le juge va être Sika. Ce qui va juge à Sika, comment on va faire? Va faire Wana. Va faire un avocat à la République. Va faire un avocat à la défense. Va faire un avocat à la défense. Va zéro. Mais en faisant quoi exactement? Et vous allez là, temps rapide. On va demander au greffier, pardon à la greffière, parce qu'il fait une dame, on va l'appeler, on va demander à la greffière de lire les PV. Ce qui greffère à Tangi, va PV, on a nionso. À Silici, va Bengi, va parti, va avocat, il y a défense, il y a République, va attester fidélité à ma PV. Parce que mon greffière à Gokoma, à ça qui par exemple erreur. Il y a un mot, il y a une phrase, il y a une conjonction, tout ça. Alors, retour dans l'avocat, est-ce que les PV sont fidèles? Ceux qui sont PV sont fidèles, ok, on recommence. Parce que je vais représenter une composition à Sika. Je vais bander les dossier. Alors, réouvertir le débat. Tu continues, tu es dans la queue. Tu es dans la queue, tu la liberté provisoire, le coup la composition, c'est qu'il y a bandé. Et ça, le manamboka, et ça, le mépanabiso, ah, il est moins dangereux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en principe, la liberté provisoire, on la demande une seule fois.
On ne peut pas demander la liberté provisoire ad nutum, c'est-à-dire ad nutum, à tout moment, non. On demande la liberté provisoire en principe une fois. Quand on a demandé la liberté provisoire et qu'on vous l'a refusé, vous ne pouvez plus insister pour forcer la main du juge. Ce qu'on a en principe, la minute, avocat, il y a défense, il y a une liberté provisoire. Mais on est au Congo, ils peuvent demander. Mais en principe, parce que Senga déjà est simbaté. Alors, ils ne peuvent pas demander la même chose parce que qu'est-ce qui aura changé pendant le temps, pendant tout ce temps? Rien n'aura changé. Comme rien n'aura changé et que l'affaire est déjà en instruction, on ne voit pas pourquoi on peut s'abîmer de liberté provisoire. Si on ne vous a pas accordé la liberté provisoire pendant que vous étiez inculpé et que Bokomi est prévenu devant le juge, la première audience, on peut s'abîmer une autorisation de liberté provisoire et qu'on ne vous l'accorde pas. Alors, comment on va vous accorder cette même liberté provisoire pendant le procès? C'est ça la grande question. Donc, en réalité, rien ne justifie une demande, il y a liberté provisoire. Mais comment voulez-vous qu'on dise de plus sur cette affaire? Il y a l'IWA, il y a juge. Moi, je ne veux pas aller dans la politique parce qu'en réalité, quand on veut aller dans la politique, c'est comme un mot compliqué et comme un trauma subjectif. Je voudrais rester dans le principe et rester objectif. Mais des questions quand même se soulèvent. Des questions quand même se soulèvent. Makambo et Salemi n'est pas un juge. Oh, yo. Et là, Makambo et Salemi, il y a un cartel là-bas, drogue, il y a un cartel là-bas, il y a un mafieux. Et ça, les maramois mingi. Lorsqu'un juge est à côté de Makambouana et qu'on ne le sent pas, on ne voit pas que ce juge est en train de flancher un peu. Parce qu'on a un juge à l'OCDT. Généralement, on les abat. Attends, aux États-Unis, comment les juges parfois sont abattus? Comment ils sont tués? Ils subissent des pressions. Mais il y a un principe en droit dans Makambo, ma procès. Tous les magistrats, tous les juges subissent des pressions, même pour n'importe quelle affaire. Mais maintenant, le problème est d'affaire, le degré d'affaire, et d'un niveau. Et d'un niveau à pression mikke, et d'un niveau à pression minène. La différence entre un juge et un médecin, c'est que lorsque le médecin a traité Moutoumouta Koufi, le médecin n'a famille ou n'a. C'est vrai que Bazan a obligation un moyen, il y a un moyen et non un résultat. Mais le médecin, celui qui Moutoumouta Koufi n'a bloc opératoire, pour la plupart des cas, la famille n'accuse pas le médecin. Et la famille, et le médecin, et la famille, bangotou bataille dans la même direction. Ce qui est contraire n'est pas à juge. Lorsque le juge vient juger les Kambo, dans un pays où les gens n'ont pas beaucoup étudié, le juge intervient dans une affaire pour départager deux personnes. Ça veut dire, moi, quoi qu'on a condamné, moi, on a acquitté. Celui qui sera condamné ne sera jamais à l'aise. Voilà pourquoi il faut un statut privilégié pour un magistrat ou pour un juge. Parce que regardez, imaginez-vous un magistrat qui a passé tout son temps à arrêter les gens, à envoyer les gens en prison parce qu'ils ont commis des infractions. Il y a beaucoup de magistrats qui se met en danger. Le jour où il commet une infraction, lui aussi, on l'envoie en prison. Ça veut dire que lui, il court un risque important. Parce qu'il y a beaucoup qui est en prison, c'est comme si on vous envoie dans une prison où c'est rempli de gens que vous avez envoyés là-bas. Ça dit votre vie est en danger. Mais l'État congolais devait réfléchir. Moi, j'estime que les responsables, il y a juge. En tout cas, je suis convaincu que ça doit être l'État congolais. Pourquoi l'État congolais? Dans quelles conditions ces juges vivent? Moi, j'avais déjà interpellé que les magistrats subissaient des pressions. J'étais en train de le dire. Ma magistrat va subir ma pression énorme. Et le magistrat, quand il subit des pressions, il ne les subit pas seul. Il a une femme, il a un enfant, il a des enfants. Le magistrat a une famille, il a de petits frères, de petites sœurs. Donc ceux qui battent Balingiba Salahemabe, ils vont s'attaquer à la famille là, directement. Ils vont s'attaquer à la banana, ils vont s'attaquer à l'environnement direct. Mais est-ce que sont-ils protégés? Est-ce que Bazan a prime des risques? Les médecins ont des primes des risques, même si pour la plupart des cas, Batoucha Kangote. Mais les magistrats n'en ont pas. Tel a risqué un modèle. Le monsieur qui meurt, il est sa femme. Article la bangonine. Les magistrats ne sont pas des riches. Article la bangonine. Au moins, il y a article la bangonine d'un côté, article la bangonine de côté. Parce que le monsieur n'a pas volé la République, n'a pas payé la République. Article la bananae, nini. L'État, en principe, devrait être responsable, devrait anticiper, biloko. Pour mettre tous les juges à l'abri, on avait dit qu'on a ouvert un mauvais moment. Il y a terrible dans Mboka. Lorsque le réveil de la justice est tombé dans Mboka, l'État doit être responsable pour sécuriser les juges.
Parce que les juges ne peuvent pas se sécuriser, ils appartiennent à un pouvoir judiciaire. Ils n'appartiennent pas à l'exécutif. Ils n'ont pas la police dans Maboko Nabango. Non, ils n'ont pas la police entre leurs mains. Qui va sécuriser les juges? Qui va sécuriser les procureurs? Parce que leur vie est en danger. Il suffit pas d'un conflit dans Moutou. À moins que Moutou n'a pas de conseil Moutou, on peut le faire du mal. Bako kidnappé, Balana Bango. Bako salabango mabé, Bako empoisonné Bango. Il y a tout un tas de choses, il faut batouba réfléchir. Yango. Il faut que l'État pense na Batouana. Mais l'État ne s'occupe pas de cela. On vivait une période Oyo. Ceux qui jugent à ces pelles sibinotées, vont suspendre Bolongoli et Boboaké et Pembeni. Mais nous sommes entrés dans une autre dimension où le président Félix Tshisekedi dit que juge mon côté Bako Kangaye, juge mon côté Bako Benganaye, juge mon côté Bako perdre Moussalanaye, pour la fali Moussalanaye bien. C'est bien, oui, mais qu'est-ce qui accompagne parole Wana? Parce que le dire, c'est bien, vous donner la justice la possibilité d'agir. C'est une très bonne chose. Tous les pays étrangers, tous les pays voisins, au moins ils disent que la justice au Congo vient de se réveiller. Mais à l'extérieur, ça a un autre son, une autre vision. Ça prouve que Liban, c'est bien bon. Mais ok, disons maintenant, Nakati a fait. Comment ils sont protégés? Parce que maintenant, ceux qui jugent Bako Longolete, la pression politique, parce que le président lobby, c'est partisan du pouvoir, donc on peut abattre un juge. On peut l'abattre s'il ne nous arrange pas, on l'abat. Parce que ceux qui ont la possibilité de Longolaye, on pouvait le faire. Mais comme on n'en a plus, l'état des droits. Mais l'état des droits doit protéger aussi ces hommes. Comment voulez-vous qu'un magistrat vive à Gombe? Magistrat vivant dans la Bandal. Magistrat vivant dans la Bandal. Magistrat vivant dans la Kingabwa. Magistrat vivant dans la Naboumbou. Magistrat vivant dans la Makala, na Baroumbou. Mais on peut la battre comme un chien. Parce que les gens vont voir sa faiblesse. Batoumokota, la faiblesse, là, ah, magistrat, ça n'a pas été. Oh, magistrat, ça, oh, attendez taxi, attendez transport. On peut lire la vie d'un magistrat et on comprend comment il fonctionne. À travers ses faiblesses, on l'attaque. Et l'attaquer n'est que Yemokote. On peut passer par ses enfants. On peut passer par ses enfants, on peut passer par sa femme. On peut. Ça dit, magistrat, là, yebi. Comment ils vivent? Le jour où le président de la République a causé la colloque dans le magistrat, je suis convaincu que Félix Tshisekedi sortira de cette salle-là en pleurs et en larmes. À comment ces magistrats vivent dans des conditions les plus extrêmes? Que le magistrat t'explique comment il vit. Un jour, il y a eu un magistrat qui a dit qu'il n'y a pas de la scène. En tout cas, il y a eu un magistrat qui a dit ce pays avait toutes les raisons de ne pas se développer. Socrate a dit que si vous voulez voir la Mbokanabino, la Mbokanabino évoluer, bota la niveau ya ba juge nabino baza ba nani ba vanda kawapi balia kawapi. Nous devons être en mesure de poser cette question. Nos magistrats dorment où? Ils vivent où? Ils scolarisent leurs enfants où? Comment? Avec quels moyens? Ça, on ne se pose pas de questions. C'est ainsi que nous avons des magistrats qui sont extrêmement riches parce qu'ils sont dans la mafia. Et nous avons des magistrats extrêmement pauvres parce qu'ils ont refusé de voler. C'est quoi un pays à modèle Wana? Dans un pays, et comme à Sony pour un pays, si les magistrats sont des riches, c'est honteux. Si les politiciens sont des riches, c'est honteux. Si ceux qui travaillent à la douane sont des riches, c'est honteux. Si les généraux sont des riches, c'est honteux. Ma indicateur yamboka o ebeba et dans ceux qui bomoni ba magistrat ba riche, ba policier ba riche, ba généraux ba riche, ba politicien ba riche. C'est un pays où les choses n'évoluent pas. Mais un pays où les magistrats sont à l'abri de leurs besoins, le juge à l'abri de leurs besoins, le policier, le militaire n'a abri, y a pas besoin na bango, mboka ne se développe pas. Les lotos to beta li solo ba magistrat, ba vivre dans ba condition ni. Il faut que nous comprenions comment ils vivent. Il y en a qui n'ont pas de voiture. Il y en a qui ont des grandes décisions sur la vie des gens. Mais maintenant, on m'a coquité. Alors, vous faites comment? Ils vont monnayer le pouvoir qu'ils ont. Aujourd'hui, nous parlons de la mort de Papa Raphaël, ce juge. Vous avez vu vous-même le risque que monsieur a pris. Talamoutou, calme, modèle. Il est posé quand il gère la question. Aemi place Zoken, Azobang, le côté, il n'est pas paniqué, il posait alors posé. Mais nous avons perdu un élément comme ça. Qu'est-ce qui prouve que la nouvelle composition sera bonne? Qu'est-ce qui nous prouve?
Qu'est-ce qui nous prouve que la nouvelle composition sera bonne? Mais attention, rien ne nous dit non plus que la nouvelle composition ne sera pas bonne. Parce que les magistrats aussi peuvent se mettre dans la tête que, ah, il commet des bruits, ok, maintenant on va aller vite et dans le droit. Ça peut encore faire très mal. Je dis que les magistrats ont besoin d'une assurance. Ne faisons pas semblant. Ces magistrats ont besoin d'une assurance. Ce qui est arrivé à M. Raphaël, tous les autres juges ont aussi peur. Qu'on ne vous trompe pas. Bango peba, bangi po, bana, banana bango, bana basi na bango, bango kufela ni. Pourquoi vont-ils accepter de mourir? Ce n'est pas un métier suicidaire. Il faut que l'État maintenant prenne des dispositions pour dire non, on prend Bango en charge. Moi, je demande ceci. Je propose, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, décidez de prendre tous les magistrats. Au Badana, nous avons question. Il y a Bablora 100 jours. Bozo Bango, Botia Bango, dans un hôtel dispersé. Bayaka Koya. Bozo Bango, Botia Bango, na ba hôtel. Ba vanda kuna jusqu'à ce que l'affaire aussi là. Place Bango vanda kuna, ba de la protéger. Terriblement protéger. Ba famille na bango, botinde na bango, ba policier, ba batte la bango. Ba magistrat. Bon renforcer sécurité na bango. C'est très important. Prenez soin à Bango pendant cette période. Ceux qui bolignent à Kambo évoluer, prenez soin à Bango. De façon que ces gens-là, comme on est dans la période de Covid, classe ZAT, ils n'auront pas besoin de sortir. Mais avant de. Tout ce qu'il y a, tout ce dont ils ont besoin, na banda kuna Bango. Ce n'est qu'en ce moment-là que vous allez les protéger et ils pourront être bien. Mais si le juge doit lui-même aller chercher l'argent, na ba faire na moussoussou, pendant qu'on nourrit les botanaye, alors qu'il sert à un État qui devrait prendre soin de lui, et comme il est compliqué. Et à long terme, pourquoi ne pas faire un camp des magistrats? Pourquoi ne pas faire un camp des magistrats ou une cité des magistrats? C'est important pour nous. C'est important pour que tous les magistrats se trouvent dans un endroit. On sait au moins le contrôler, on sait comprendre Vinabango. Les magistrats doivent vivre dans un endroit pour qu'ils puissent équilibrer Vinabango. Il ne faut pas tant qu'on a l'école bien. Il y a l'État, il y a bien. Il y a l'accès de santé, il y a bien. Nous devons évoluer comme ça. À l'époque des Belges, il y avait des camps comme ça. Camp des professeurs, camp des fonctionnaires, camp des... On peut le faire aujourd'hui. On peut le faire. Rien ne nous empêche de le faire. Tant que nous sommes un magistrat, par la même occasion, je parle des fonctionnaires de l'État. Un fonctionnaire, il y a un atra. Un fonctionnaire, il y a... Il y a OCPT, ceux qui tout ça. Bref, les fonctionnaires de l'État. Ces gens-là devraient en principe ne pas avoir peur de la mort. Parce qu'ils ont servi l'État. Quoi de plus bien que de servir l'État? Mais les lois commis au servir l'État, au Yosanasuka, donc au travail dans l'État pendant 40 ans, le malheur dans ta vie, c'est d'avoir travaillé dans l'État. Et dans la santé. Et dans la santé. On va faire certainement l'autopsie pour nous retarder la liwa et dans la bonne condition. Mais puis un autre élément, très important. Les Liwa Yandeko, Raphaël, ceux qui t'auraient monté, Bomoni, combien les gens sont en train de mourir dans la présidence? Bomoni, les Liwa ou dans la présidence, on dirait problème, Ezakuna. Non, il y a un problème. Il y a une question simple. Congo, tu as trois blocs, quatre blocs. Tu as le nord, tu as le sud. Tout en ouest et tout en est. Ma culture n'a biso et dans des mémoires. Il y a un coin dans le cannabis. Poison et dans manière de vivre. Mais il y a un bango de babandi. Et la culture est un outil musica. Moi j'ai perdu ma mère dans le poison. Je suis un carreau, C'était depuis très longtemps cette histoire. Empoisonné, alors que j'avais 22 mois, empoisonné. D'autres disent empoisonnement, d'autres disent maladie. C'est comme ça qu'on dit toujours. Abelaki, hein. Moutoua, Abelaki, empoisonné. Bref, dans tous les coins, prenons ça comme vous voulez. Poison. Aujourd'hui, le remède à poison est Ali. Il suffit que le gouvernement mette le moyen pour avoir un laboratoire de poison. On ne sera plus dans ces choses-là. Aujourd'hui, par exemple, en Rwanda, un petit exemple. En Rwanda, pourquoi le poison ne tue pas beaucoup en Rwanda? Parce que Kuna bazana ba antidote nango. Bazana ba antidote nango, batona bazana nango. Et nous avons aujourd'hui bato ba sala rabilo kwana na Congo, bazape belé. Basi va comprendre je wana. Baya. Batona bazana ba kisa ba poison oyo.
a repoussé à moi à 5 ans. A toi, mais le poison n'est pas au coup faté. A toi, tu es le poison au coup faté. Ça dit ton corps est immunisé. C'est comme une sorte de vaccin qu'on te donne. Tu remets le poison au sandi. L'État devrait mettre les moyens pour Nyango. Ne prenez pas ça à la légère. Les gens sont en train de mourir comme pas possible. Vous avez 10 personnes, 3, 15 personnes mourir dans le cercle de Mouké. Aujourd'hui, prétexte à malheureux de la Covid. Prétexte à solo de la Covid. À Covid, à Covid. Mais en réalité, c'est un poison. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, il y a tout ça, tout ça, parce que nous autres, beaucoup vont périr comme ça. Pourtant, il est temps maintenant de décider de prendre un plan, de financer la procédure, il y a recherche à Likambu, il y a poison, et offrir toutes possibilités. Batouba melayango, batouba vandanango, de façon que tu as mis le poison, bakoufate. Likambu, le miel, tout ça c'est bien, mais c'est rudimentaire. Miel est pour la prévention. Mais babilo quand on a fait ça, nous avons un antidote. Moi, j'ai rencontré des gens qui font ces choses-là. Mais comment on va les croire, ceux qui battent, on va dire, on a promis dans beaucoup d'ambitions. Sinon, nous allons compter des morts. Bah, il y a une culture morte au Congo. Ah ouais, si vous comprenez ce que je dis, ils nous ont amené ça. Nous, on n'avait pas ça. À l'époque de Mobutu, c'était rare d'apprendre que Mutakoufi est un poison. C'était assez rare. Et là, qui est encore isolé. Mais le comme il y a un problème, comme il y a une culture, on peut arrêter ça maintenant. On peut arrêter ça. Donc, travaillons dans. Parce que Moussala est à l'état d'aller protéger Bato. Congolais, ils ont dit que les gens ne sont pas soignés, ne sont pas fingés, ne sont pas bêtés, ne sont pas soignés. Mais comme ils ont dit que les gens ne sont pas soignés, ils ont dit que les gens ne sont pas soignés, ils ont dit que les gens ne sont pas soignés, ils ont dit que ce n'est pas nous. C'est une culture qui nous a été importée, dont on a importé. On a importé ça. Alors, ceux qui ont importé la culture, ils ont importé des antidotes. Les Congolais sont capables de créer des contre-poisons. Bah, qui c'est anti-poison? Bah, ça est belé. Et belé. Et pratiquement dans toutes les provinces. Nous avons des feuilles. Au ceux qui va mélanger en go. Dans la solution, Moussousou. Ceux qui mélient en go. Et balolionion sur la libou. Au sandi. Poison tout dans la libou. Mais à l'heure, comme qui m'abé. Je vous dis la vérité, comme qui m'abé. La présidence, il y a des morts et des morts. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train je porte encore le deuil d'un grand frère pour qui j'avais beaucoup d'estime. Mon aîné, le directeur adjoint, il y a communication. Je porte encore le deuil de mon grand frère. Il m'appelait pratiquement toute la semaine pour m'envoyer des éléments, pour communiquer avec moi. Et je lui faisais des remarques. Koulou, tout à la boueke, mabé. Mais il est parti. Il va laisser une veuve. Il laisse une veuve. Ses enfants vont dire quoi? Notre père a été à Koufakina, tout ça. Mais en réalité, on sait tous comment ces choses se passent. Non, il est temps de mettre de l'ordre dans ma Kambouana. Où est-il Kalipo dans ma magistrat? Je suis en train de vous le dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ce qui est du côté juridique, rien n'est perdu jusque-là. Bateau, bazar, boloko, bakotika, la cana, boloko, bobimanante. Bateau, bazar, boloko, bakotika, la boloko. Bako bande la composition en sika, bako tcha batu ya sika, bako tanga ma PV, bako identifier ma problème, on n'est pas là, bande li komisa baka, on n'est pas là, et puis la procédure continue, n'est pas là. Tout ce qui est là, juge ba okote, ça va mon siko, ba de la fort et ba de la courageux. C'est vrai que le coup est là comme un avertissement, ba de avertir, ba que, bino peso ki boye, so bo salika, ba logique, koto mon abino, bo ok, ma be. Mais malheureusement, toujours dépendre de l'intimidation. On croit que les juges qui vont être là seront très forts. Dans l'obité que juge ou Raphaël, juge à Koufi, condition de l'Iwanae, tissu est en clarté. Toujours évoluer, toujours la place Eken. Nous demandons, ça l'autopsie, il va Koufi l'inini exactement. Et après, on va décider que oui, à Koufi n'a poison, à Koufi n'a malade, ainsi de suite. Famille n'a pas l'ouba. Ne vous en faites pas. Ceux qui ne peuvent pas avoir malade, morté, famille, ne vous en faites pas, ils vont parler. Parce qu'ils en ont le droit de parler. Celui qui est tombé, c'est un Congolais qui est tombé. Il n'est tombé pas parce qu'il est allé vendre les chanvres. Il est tombé parce qu'il est allé servir la République. Ceux qui ont servi la République, dans la Koufate. Alors, essayons de comprendre ce cas-là. Et je présente mes condoléances les plus attristées à la famille Ouana et nous disons que le Congo vous doit. Le Congo vous doit et vous doit beaucoup. Dans un pays sérieux,
quand une affaire arrive comme ça et qu'on élucide que le vieux est mort effectivement pour ne pas bulo makambo à procès, la famille prend en charge les enfants. Les enfants mineurs, bazui bongo, batang si bango. Oh bah sali droit, parce que généralement la famille n'a pas besoin de papa ça là, juge bah son pas ça droit. L'État remplace, bateau bah sali droit, après ça bongo fonction. Sans le temps bon ça là, appelle la magistrature, bananaye bah on a la priorité, parce que notre père a été tué ou notre père était mort dans la condition mort au bout. En principe ça a bongo pour que vous parliez là. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Guinée aux sang, Zizoubidois, Daïmada, Chino, Tuenélé, Nakinia, Panapiko. Loyer Bolon, Nene Yali, Sangha.